déjà, peut-être, il y a des absents aujourd'hui. Bien sûr, Nicolas Tournani. Ça, hein, évidemment, on va chercher tous les indices. Mais pour Vincent, il se concentre pour l'Egypte avec Carlos Pastor à la direction de cette équipe. Mazen Redine, Abdoul Zaid, Anif Kakrani. Continental, évidemment, dans ce tournoi des continents ici à la Sud de France Arena, avant peut-être des joutes olympiques, entre s'imposer et offrir du spectacle au public nombreux montpellier. Et ça commence parfaitement avec ce mouvement. Vous parliez de ce, dans tous les postes, de la solidité, de l'inspiration. Ça va très vite avec Yanis Lenne, le premier but français, l'égalisation. Avec un angle restreint, rendre disponible. Oh, la passe un tout petit peu imprécise d'Alizet, superbe ogive pour Hugo Desca. Le chat déposé et la passe parfaitement ajustée. L'ex-Aixois, on en a parlé avec Yaya Omar, le futur parisien. Et tout de suite, hein, cette rôle, il prend Eddy quand même. Le croisé, le renversement et la remise. Mais c'est bien lu de la part d'Ali. Yaya qui cherche une solution dans le relais. Ali Zayn qui se frotte à la défense française. C'est sauvé en deux temps. Non, Mohamed qui n'a pas été brillant jeudi. Sur le poteau de très intéressant. Jonas Schellmann, mais avec beaucoup de qualité de main également. La bonne défense d'Elohim Prandi, un peu comme tout le temps. Dur, physique, grand souvent. Et puis dans le style de jeu, c'est une équipe qui. Attention, une sélection, Hugo, cette fois ça ne trompe pas, mais c'est récupéré. Récupération. Ludovic Fabregas, pour lequel on connaîtra le sort à la fin du mois de mars, l'éventualité. Il n'en est rien, Elohim qui répond à son... L'année 2023, voilà la particularité, boum. Elohim Prandi. Les Égyptiens qui réclamaient... Alors, oh. Ah, il y retourne, c'est le poteau, c'est récupéré, ça va, nouvel arrêt. Il dit quand même qu'il prend de vitesse jusqu'au bout. Avec le jeu, notamment dans la vertice. C'est ça. Alors ça, on va s'intéresser à ce mouvement, le passage en zone mauvaise. Ceux qui connaissent évidemment cette anecdote, le fameux 0-0 de le match de la honte. Ouais. Mais là, ça ne sera pas possible. Pas du tout. La force et la puissance de Nedine Remili. C'est donc un changement attaque-défense, même s'il n'a pas eu lieu. Ouais, on vous parlait vraiment de... Oh non, la passe complètement ratée de Nedim Remili. Il n'est pas en position. Mohamed Sanad, le capitaine d'un jour, qui prend de vitesse Vincent Gérard. La passe était mauvaise de Nedim Remili. Nedim qui est au demi-centre de passer la balle dans le bon tempo. Demi-centre a toujours raison. Boum. Là aussi, dit quand même dans ses œuvres pour reprendre de la hauteur. Doit être un téléspectateur attentif. Eldera. Là aussi, hein, ça part extrêmement bien. Yaya, l'un des pensionnaires de l'Esprit. Le jeu à l'intérieur, c'est bien. Le jeu sans ballon. Bravo, Yanis. À l'intuition qui rentre dans le temps, dans le bon timing surtout. S'échauffe derrière le banc français. Vincent Gérard, marqueur en tout cas des performances, qui est un peu plus emprunté ces derniers mois. Bel arrêt, belle lecture Vincent Gérard, belle relance de Hugo Desca, un énorme raté, très inhabituel de la part de Hugo. Qui a voulu tirer très vite avec sans doute un ballon qui lui échappe des mains, le fait de la sélection égyptienne. Yaya Omar mis en position, le beau, on renverse. Ouais, très beau. Oh, une nouvelle fois, avec ce cinquième arrêt et cette efficacité redoutable, la machine Vincent Gérard est de retour, 50% d'arrêt déjà. Le monstre est sorti de sa tanière. Donc il a, oui, voilà, il est parti, il a joué la semaine le mois dernier. Voilà, on est bien d'accord. Ça, c'est un très beau croisé avec de la qualité d'engagement. Ali Zayn sur un mouvement établi. Un enclenchement. On voit hein, la liberté des postes 2. Mais alors, face à ce bison lancé à toute allure qui est Elohim Prandi, il n'y a pas grand chose à faire à part admirer Yaya, mais qui ne parvient pas à trouver. Justement, il est difficile. La prise de main, la relance intérieure. C'est le deuxième ballon. Hugo Desca avec des Égyptiens très mécontents parce qu'ils estiment que Moab Abdelak derrière le banc égyptien, le Nîmois, l'arrière droit gauche. Hugo Desca, le 1 contre 1 face à Alizeid. Là, l'initiative, ce n'était pas évident du tout. Et peut-être, et oui, la punition parce que Hugo. Il est tardé à revenir. Karim Endaoui, Pastor,
les choses sont assez claires. Hein. Ndaoui est le numéro 1, même si là il est battu par ce ballon détourné. Troisième but, de suite. Oui. Reda. Sanad servi. Il est efficace, hein. Le capitaine. Bien servi. Oui, là il manque du monde. Là il manque du monde, c'est étonnant. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'il n'est pas du tout concerné par l'action de l'autre côté. Ouais, d'ailleurs, ils se sont percutés. Savon par Carlos Pastor. Ouais. Oui, alors ça. Sauf qu'il y avait eu le tour, donc la rupture du jeûne à la mi-temps. Là, ce ne sera pas le cas. C'est ça, là. Et le temps fort, le passage de bras. Oui, et derrière, bien, le jeu. Lâché. Alors, c'est du vrai jeu en continuité, hein, même si là. Frère, aligné, le Limougeau qui retourne vers le but. Oh, la zone. La zone pour Seth Eldera. Encore des places, allez-y, parce que ça va être un spectacle absolument exceptionnel. Montpellier qui semble vraiment beaucoup mieux. Derrière, il n'y a pas que la force, il y a aussi la grâce et la délicatesse dans ce corps humain d'Allemagne ou de Gummersbach. Exactement, les deux habitent à Gummersbach. Ils ont été embauchés comme prestataires par l'équipe d'Égypte pour suivre toute la préparation de l'Égypte jusqu'aux Jeux Olympiques. Ah, et vous allez me dire que vous n'y êtes pour rien. Et notamment son président David Tébille qui a fêté son anniversaire hier. Jackson Richardson, que vous êtes allé rencontrer hier avec Steven Le Diagorme, notre chef d'édition, dans sa mise en œuvre d'un documentaire exceptionnel qu'on vous proposera l'année prochaine. Kevin Richardson. Vous parlez d'histoire, regardez la base arrière. Rémy Lee et Prandi. Oui, voilà. Superbe. C'est le point long. Par de transmission, très bon. Raoul et Jackson. Voilà. C'est quand même incroyable. Oh là 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 là. La cartouche. Et pourtant, il est dessus, hein. Ndaoui, mais il n'y a pas grand. Et puis, il faut le digérer, tout ça. Hein. Évidemment, il y a une mise en lumière tout d'un coup assez incroyable. Très bien fait de la part de Parisien. Oui, la passe sautée à l'opposé. Ah, non, elle reste dans la main. Elle reste dans la main. Pas assez appuyé. Les cinq dernières minutes. Dernières minutes. Et le jeu rapide des Égyptiens et le jet de 7 mètres obtenu. Pour une fermeture tardive. Face à Mohamed Sanad. Ça passe, tout juste, mais ça passe. Le capitaine égyptien. Les Français, parce que Théo Monard n'arrive pas à faire la différence. Et sauf que voilà, le talent fait parfois la différence. De la famille Richardson, on l'avait ancien du club du MHB. Ouais, absolument. Et puis, il connaît bien la boutique, ça. C'est ce qui. C'est les joueurs qu'on a devant nous. Nous, on ne galvaude jamais ça. Le Kung Fu. Magnifique. Oh, derrière, le geste exceptionnel de Yanis Len. Ah, la passe, la passe, la qualité de la passe, la précision de la passe. Alors, oh là, attention, situation. Bon, écoutez, tout va bien pour Eldera. Melvin, de l'autre côté, qui prend la responsabilité. Ouais, le dribble un peu compliqué, le jeu sans ballon, et largement, qui n'a pas le même rendement que lors de ses tout premiers pas. Là, c'est une. Pour les buteurs, peut-être conclu par Mohamed Sanad. Ah, deux minutes. J'ai de 7 mètres à venir. Et là, il faut être capable dans ce genre de situation. Anime. Le duel remporté précédemment par Sanad. Vincent Gérard, à nouveau, 14-18. Ouais, comment ? Bien fait, c'est bien fait. Contré, scotché, bâché. Ouais. Sanad, la contre-attaque. Oh, le but au buzzer, ou juste avant, pour Mohamed Sanad. Et la dernière opportunité complètement gâchée par les Français. Et un très bon Sanad à souligner, hein, ça fait plaisir de vous. Continuant à être un immense joueur. L'équipe de France de retour en toute fin de première période, hein, avec un joueur exclu, Loïc Prandi en l'occurrence. Grosse route, 7 mètres de médaille. Les options sont nombreuses pour les tireurs de 7 mètres. Pas toujours en réussite ces derniers temps. La gamelle, comme au baby-foot, ça ne fait qu'un but. Et on renverse, on verra. Quentin Mahé. Et l'oubli. Qui demande. Demande, voilà. Mais pour faire du surplace, ça manque de vitesse. Là, c'est presque un exploit individuel. Et avec l'action qui, dans son rythme, avait été coupée. Là. Mais en dehors. Hein. Yaya, ballon perdu. Timothée Nguessant. La passe pour Dylan Nahi. Comme très souvent sur les débuts de période, Dylan Nahi. Comme très souvent sur les milieux de période, Dylan Nahi. J'allais vous le dire. Comme très souvent sur les fins de période. En poste avancé, en 5, bien sûr. Et c'est tout ça. Voilà. Nguessant qui a réclamé le ballon, le renversement, où c'est très compliqué ça.
au-dessus des bras de Mohamed Ali. Donc. Et Karl Konan, on entend également avec les micros proches du terrain la communication qui existe. Et deux minutes, attention. Lorsqu'ils évoluaient au PAUC. Un Montpellierin ne laisse jamais un Nîmois marquer facilement. Jamais. On voit le jeu en continuité, c'est aussi le talent de technicien. Superbe la roucoulette de Yaya. Ce n'est pas qu'un artilleur, il a beaucoup de finesse et d'intelligence dans la lecture du jeu. C'est vraiment difficile. Bon, il a beaucoup, beaucoup de qualité pour lui. Oui, et pour le dire autrement, c'est la différence entre des besogneux et des talentueux. Lui, c'est un pur talentueux. Il gagne très, très souvent et puis ceux qui ne sont pas loin. Quentin Mahé, changement d'impact bas cette fois pour tromper El Taillard, concentré le demi-centre. Oui, décidément, on vous dit. Hein. À quelle heure Montpellier va laisser marquer un Nîmois? Un petit peu plus de continuité. C'est fait, du quand même, le renversement, le tir. Voilà, voilà. Mais vous le mettez à 10 mètres plus loin. Il est aussi capable d'envoyer des lits là de Timothée. Bah, c'est un peu comme. Il est allé à la buvette, il était en train de regarder. Provoquer cette possibilité. Allez, c'est voilà bien, c'est bien. On ne demande que ça. Il y a eu ce but venu de nulle part, face à grandement barcelonais. C'est un joueur de classe mondiale en club, ça c'est une réalité. C'est pour ça que voilà. Un peu de réussite, c'est bien. Timothée Nguessan. C'est bien. En passant par son coéquipier, collègue de chambre, Quentin Mahé. L'un des futurs duels peut-être dans les prochaines années, même si pour permettre à Yaya de se présenter à 7 mètres face à Charles Bolzinger. Il va aussitôt vers Nedim Rebili sur le banc avec un sourire très beau Chabala. Sorti justement, attention, il a ouais, changement de main, un pas de loi, la main droite, la main gauche. Voilà. C'est quand même très impressionnant. Vraiment. J'ai accusé Emmanuel Mousset, la pauvre, elle n'y est absolument pour rien. Mais si. Non, c'est pas elle. Je vous ai vu, c'est vous qui avez tout fait tomber. C'est bien ce que font les Bleus avec Ludo Fabregas. Oui, avec tous les changements apportés en début de seconde période, et ça fonctionne. Voilà, c'est beaucoup plus costaud et beaucoup plus sérieux, rigoureux. Mais même s'il y a des largesses défense. D'être un petit peu trop haut, ce qui donne la possibilité parfois au pivot de glisser comme ça entre le numéro 3 et Dika. Ou alors, à l'instar de ce que en temps, ça vous impressionne. Non, elle n'est pas à boire. Et ouais, mais moi, c'est, je pourrais pas. C'est-à-dire, à vous demander de l'impossible. Ouais, super, ouais, passe Adèle. Passe. La charge est lancée, le ballon libéré, la feinte. Il était en échec sur le tir précédent. Dylan Nahi, il a bien fixé le mouvement de l'autre côté. Eldera, travail de bloc, la prise de position. Il est solide, ça, il est costaud. Bien. Très impressionnant. Yaya Omar. Derrière le banc pour s'apprêter. Amener sa pierre à l'édifice français. Et voilà, bien sûr, évidemment, facile, un jeu très établi. C'est Dylan dans l'un des plus grands clubs du monde quand même. Donc on n'est pas du tout. Rester concentré avant tout, hein, ça va être le défi jusqu'à la fin de la partie. Timothée qui marque encore. Voilà, oui, la machine est lancée. Bien sûr. En étant bien lancé, il est capable de tellement de ça, Timothée. Est-ce que vous marquez facilement? Vous en faites un peu moins de l'autre côté. On va demander à Omar Yaya ce qu'il en pense. Oui. Quand il s'agissait de vos partenaires. Ouais. Allez, l'interception de Dika qui va aller au bout. Donc, oh là, la roucoulette inverse sur le poteau complètement ratée. Oui. C'est un rebond qui n'était pas au bon endroit. C'est un course. Mohab. Le Nîmois la passe un peu dans les chaussettes. Il n'est pas attaqué là-dessus, et c'est évidemment. Il y aurait des couples illégitimes aussi qui viennent voir le. Ça.
C'est au-dessus pour Quentin Meur. Le jeu en supériorité numérique. Rappelez-vous, c'est l'Argentine. Catch and shoot. La phase de la sélection est désormais assez souvent titulaire à West Brom. On se sur. Malheureusement, pas sur nos antennes, plus comme l'autre demi-finale. C'est bien joué, Quentin Meur. Pas de défendre sur des postes. Salif Feldera qui retourne. Geffran. Non, un jet de 7 mètres. Oui, parce oui. qu'il avait gagné l'intervalle. Mohamed Sanad. Que sur Yaya, toujours pas. Il y a des différentiels psychologiques. Vous allez me le retrouver. Margouch. C'était Margouch. Oui, c'était Margouch. Oui. Il y a un match comme ça. Feldera. C'est parti entre les deux. Oh là là, c'est bien fait. Pépite là-dessus, mais sur le. Mais la conviction offensive, évidemment, dans les différentes associations. C'est bien, oh, c'est la bien. Passe géniale dans le dos de Melvin Richardson, passeur et buteur. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est bien, en tout cas. De la concomitance des horaires. Brest sur le 8e de finale aller de la Ligue des Champions qui est allé s'imposer à Ferencvaros. Le match retour. Et le ballon gratté, superbe. La mobilette. Ah oui, il faut le faire, hein, parce que ça va vite. Parce que c'est dans les mains de Benoît Kounkoun. Et bien Ahmed a été encore plus prompt. Encore. Maé. Mine. Oh, ça, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Mais parfois avec Alexandre Cavalcanti, souvent même. Hein. Et deux minutes. Ouais. Écoutez, c'est beau. Aussi. Aussitôt entré, aussitôt sorti. C'est un poison. Hein, C'est pas le genre de pivot qui est. Eh bien voilà! Parfait. Il a attendu presque la fin, Charles Bolsinger, la satisfaction pour le gardien mont. Chassé de près par son vis-à-vis. Melvin Richardson, non. Le ballon bien gratté. Et derrière, c'est plus facile dans un but vide. Qu'en faut-il bien viser? Oh, bien prise en charge. Et bien lâché de MEM. Maïmin. Minmaï dans l'ordre. Sans doute plus compliqué pour les Français. Oui. Mais ils ont mis les ingrédients entre le sérieux totalement. Et l'implication offensive aussi. Ça marque aussi quelque peu les esprits. Vous vous rappelez de. Marque aussi, non, c'est au rugby. Ça marque aussi, je parle. C'est pas mal. Bon. Le premier, c'est Dina. Allez, la rapidité, la vivacité et le spectacle en prime. Pour ce 39e but, atteindre désormais les 40 chiffres. Eh oui, les Français, ballon gratté, la voilà l'opportunité. Allez, tranquille. 40e but inscrit par les Bleus. La zone. Non zone. Moussen. Ouais, mauvais choix. Hein. Je vous le dirai là, dans un instant. Ça sera pour que Scorry, assez constant sur l'ensemble de la partie, même en seconde période, contrairement. Au dernier match, les Bleus s'inclinent allemand avec un score large. En Égypte, on s'attendait à un match tendu, il aurait été très sérieux. Mais là, il passe. Là, on va se rapprocher de l'échéance et la pression va venir crescendo.